leçon. Après le savez. Approchez, il s'approche. 60 ans. Jusqu'à 100 ans. La expectation de vie. Mort, je le dis. 60 ans. Pour la vieillesse. Non, je le dis pour la vieillesse. Pour 60 ans et 100 ans. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller au-delà de 100 ans. Non, je donne un oui. La vieillesse s'approche tout doucement. On ne s'en rend pas compte. Elle est là. Tout d'un coup, elle est là. Tout d'un coup, elle est là. On va s'en prendre pour finir. Pour finir. L'homme. A une fille son père, la fille. Chaque personne a une fille. On ne sait pas pleurer, mais on sait qu'il va avoir une descente. Pourquoi on sait? On a observé tous nos organes. On a observé les émotions de tous les organes. On a leur force de fonction. Il y a une perte de fonction. Le système commence à se diminuer, diminution. Cette diminution se traduit de plusieurs façons. Et si nous commençons par la vision, une perte de vision, mais ce succès-là qu'on a eu à voir par le passé, on a la vision normale, on peut entendre normalement, ben, tout ce succès-là. Physique succès. On va les perdre doucement. Ça s'en rend compte. La vue va se baisser. On va entendre une messe. On va pas prendre l'odeur des choses comme on a l'habitude de le faire. On va goûter les mets. On ne va pas prendre le goût du sel. Ou bien le goût du sucre, ce qui va nous donner la tendance à augmenter le sel et à augmenter le sucre. Une habitude qui va nous conduire avec blême, de diabète et de hypertension. C'est ainsi que nous devons être au courant pour nous organiser quand on commence à devenir vieux. Nous devons connaître les déficiences. Pouvoir les manager, pouvoir les contrôler. Et on est aussi au courant qu'on ne peut pas tousser. Le problème pour tousser. Et si on a la grippe, on ne peut pas laisser la grippe s'installer comme ça sur le poumon. Il faut tousser. Il faut tousser. Mettre dehors les germes. On a tendance à ne pas avaler bien. Nous savons que les muscles commencent à s'affaiblir. On a un problème. Pour pouvoir avaler très bien, on peut choquer, on peut vraiment être en silence. Un adulte, un vieillard peut manger en silence, on n'entend même pas son bruit. Et cette personne est en train de choquer. Il faut prêter attention. Cela veut dire qu'il faut manger doucement. Il faut déguster les mets en ce sens qu'on prend son temps pour manger. Il ne faut pas manger à la va-vite. Un vieillard ne peut pas manger à la va-vite. Prendre son temps pour manger. Il faut faire ça très bien avec un vieillard. C'est pas qu'on a foutu. Les vieillards n'ont pas le même organisme. Encore. Tout est au ralenti. Tout est au ralenti. Et puis ensuite, on va continuer. On va continuer. On trouve le foie. Le foie. Le foie qui est en train de et avec la bile de régler nos petits problèmes de graisse qu'on mange, de mauvaise graisse qu'on mange, bien le foie
a trop travaillé. Faut pas lui donner de la mauvaise graisse. Parce que on sait aussi, durant toute notre vie, on a accumulé la mauvaise graisse. So, les passages de les tuyaux de sang, les passages sont devenus trop minces. Le sang ne peut pas frayer très bien son passage pour aller. Donc, pour atteindre tous les recoins les plus reculés. Cela veut dire qu'on a besoin de la force des muscles pour pousser les veines, pour les aider à propager le sang, à distribuer le sang. Tout est utile dans notre corps. Et les bonnes habitudes vont se créer. On va voir que quand on commence à se nourrir, et c'est les bonnes habitudes sont importantes. On ne va pas sentir ça maintenant, les mauvaises choses que l'on fait, mais on va les sentir quand on commence à se vieillir. C'est bien maintenant, c'est la prédiction. On va, la prédiction, pour ralentir le process. Le process, il faut faire ça très bien. Il faut la prédiction. C'est incontrôlable. Donc, ça ne veut pas dire que la fin ne va pas arriver, mais on peut la contrôler. On peut éviter trop de souffrance. Ok? C'est la première chose, la cause que l'on trouve déjà qui est en relation avec les problèmes de maladie, c'est le sucre. Le sucre se trouve ses formes. Le corps a besoin du sucre, il demande le sucre, mais on doit pouvoir contrôler. Il y a une quantité. Il y a toujours une quantité, il y a toujours une balance, l'homéostasie. Il faut une certaine quantité. Il faut apprendre à mesurer. Concernant le sucre, il faut la mesure. La mesure est importante. Puisque on a l'incidence du diabète, ça ne joue pas. Tu as une insuffisance, tu as tout insuline résistance, tu as tout insuline résistance traverse. La barrière du cerveau qui va continuer à faire des dégâts. Sous insuline résistance avec tatou diabétique, avec les signes, on urine trop, on boit trop et on mange trop. Et le vieillard a besoin de manger peu, en petite quantité. Comme la personne qui est diabétique, manger en petite quantité. Ne mange pas trop. Il faut diminuer le volume de ce que l'on prend. Il faut manger en qualité. En qualité. Apprenez à manger en qualité. Ayez de bonnes habitudes aussi à manger doucement. Parce que aussi, on a deux sortes de problèmes. C'est la déshydratation et l'absorption qui devient trop lente. Avec la déshydratation, on manque d'eau, le corps manque d'eau. Et nous savons que le riz est très concerné quand il s'agit de l'eau, de volume de chaud relationship. Et quand on attaque le riz comme ça avec le manque d'eau, le riz va augmenter la pression. Et on va avoir une haute pression. Puisque avec la pression va aider le peu d'eau qu'on a à traverser d'un chemin à l'autre. Traverser d'un côté à l'autre. Et bien, si nous laissons au kidney de faire tout le travail pour nous, on ne boit pas 8 verres d'eau par jour comme nécessaire. Et bien, le rein qui a pour rôle de filtrer beaucoup de sang, et le rein a besoin de pression. Et quand il a le volume, le rein dit qu'il a la pression qu'il faut. Il faut boire de l'eau. Boire de l'eau sous toutes ses forces. Il faut boire de l'eau comme ça. Boire la soupe. Prenez ça au sérieux. Étudiez tout ça. Connais les raisons des choses. Les raisons, c'est la première fille qui peut avoir. Quand il s'agit de pire, connaît les effets, les mauvais effets des pires et
problème d'absorption, n'allez pas prendre trop de laxatif. Ça a des effets secondaires. Prenez le fibre, la fibre. La fibre peut enrôler le sucre, l'excès de sucre, enrôler l'excès de sel pour l'envoyer par la défécation. Cela veut dire c'est une autre façon pour aider le riz. Hein, parce que le riz est en train de filtrer les déchets. Quand si nous consommons la quantité suffisante de fibres, on peut aider le riz à se débarrasser des gros déchets, déchets de sucre. L'excès de sucre, le corps définit ça comme un déchet. L'excès en tout nuit, le corps veut balancer les choses. Et si le kidney a commencé à perdre sa fonction, surtout si on est diabétique, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Manger les feuilles. Manger beaucoup de feuilles. Quand on parle de la fibre, on parle des feuilles qu'il faut manger. Il faut manger les feuilles. Régulièrement chaque jour. Mais il va falloir contrôler la quantité de feuilles que vous mangez. C'est bon pour vous. Mangez les feuilles. Alcaline. Mettez un peu d'alcaline dans votre sang. Vous êtes plutôt acidique puisque vous mangez beaucoup de fat qui n'est pas bon, de graisse qui n'est pas bonne, beaucoup de viande qui on n'a pas besoin de consommer trop de viande. On peut prendre un peu, mais pas trop. Ce sont des simples conseils qui, les conseils vont transformer et vos habitudes vont les changer. Et des habitudes de santé et qui vont nous éviter et des effets regrettables sur notre santé. Et changez bien que quand on parle de déhydration, 80% des vieillards sont de cette maladie. Et quand on parle de Alzheimer's disease, on ne connaît pas la cause. Mais on sait que diabète, hypertension, et stroke, ces maladies-là, diabète, la haute tension, la pression haute tension, et la maladie cardiovasculaire sont vraiment en relation, une bonne relation avec eux. La maladie appelée Alzheimer. C'est une découverte, c'est bien que la science dit ça, même si on ne connaît pas la vraie cause, mais au moins on connaît cette cause. Cela veut dire qu'on doit prendre nos précautions, éviter ces genres de maladies. On ne veut pas de complications. Quand l'âge de vieillard arrive, pas de complications. Pas de complications. L'âge va aller, l'âge monte et en même temps le temps de la fête arrive, mais on n'a pas besoin de trop grandes souffrances avec les complications des maladies. Ce qui veut dire que il y a une autre chose encore, c'est le cerveau. Il faut conserver la force du cerveau pour fonctionner, les flux nerveux pour aider les muscles à travailler bien. Le cerveau. Okay. Il faut conserver notre cerveau et notre clarté. Mais on sait qu'il y a une diminution du cerveau aussi. Il y a une diminution de tout. La mémoire hein, va partir. Mais pas d'une façon dévastatrice comme dans Alzheimer. Eh bien, il dit que diabète tape tout avec insuline résistance. Tu traverses la barrière du cerveau. Va nous causer à voir la perte de notre mémoire définitivement. Et si on n'a pas la mémoire, on ne va pas reconnaître même les choses les plus familières. Cela va nous faire, va nous frustrer. Nous allons avoir peut-être la dépression. On est trop frustré. On va perdre notre indépendance. On va devenir très anxieux. C'est l'anxiété qui est là. Et quand on est anxieux, on a la dépression. On donne des médicaments psychoactifs, ok, qui ont des effets
et on tout statique, on va perdre notre balance, on va avoir la, le vertige. Cela veut dire que on peut tomber, on peut tomber. On sait que on a la perte des os avec l'argent, on a une ostéoporosis. C'est grave. Beaucoup de vieillards après une chute n'ont pas pu recouvrir la santé. Donc, il est important de connaître les choses qui sont courantes pour se surveiller. Et on peut avoir un compagnon, un membre de famille durant cette fin de temps et pour nous aider, un proxy, pour nous aider, pour nous diriger, pour planifier ça à l'avance. Ce qui veut dire que c'est contrôlable, c'est manageable et contrôlable. Et je pense que si on nous dit qu'il y a un cerveau qui s'alase, un cerveau fluide pour les jeunes, qui s'alase les adultes, expérience, si on a expérience, on a le skill, on a le savoir-faire des choses, ça va nous aider. Et le vieillir, je ne dis pas que c'est excitant, mais c'est manageable. On peut manager ça, on peut contrôler ça. On a une certaine diminution du cerveau, donc on a on a assez d'intelligence pour contrôler soi-même, pour gérer, pour contrôler, pour avoir une certaine indépendance. Et on va être vraiment happy, vraiment content de cela. Donc, le cerveau, c'est conserver votre cerveau, éviter d'avoir des blocs. Quand on parle de sucre, on parle de tous les dérivés aussi. Le spaghetti, c'est le sucre. Le riz, c'est le sucre. Il y a des nourritures qui se consomment en sucre. Dans notre corps, il faut les connaître, il faut mettre la liste. On peut prendre parce que le corps a besoin du sucre, mais pas en trop grande quantité. Parce que si on abuse de notre insuline, on va devenir l'insuline résistante. Manger trop durant votre jeunesse, vous abusez de votre insuline et puis vous n'en aurez plus. Mais même si on en a, le corps vient à la résistance. Parce que les cellules sont fatiguées de manger de l'eau. Le corps est obligé de vous succionner par l'insuline. Résistance, et ça peut amener un problème pour notre cerveau. Si on perd le cerveau, on peut rien contrôler. On ne peut pas contrôler les maladies, on ne peut pas contrôler. Et le temps, vous êtes un vieillard, vous n'avez pas votre mémoire. Vous pouvez prendre le médicament 2 ou 3, 4, 5 fois. Et ce sont des dangers, les médicaments sont des dangers pour les vieillards. So, cela veut dire que on veut avoir une certaine indépendance. Je vous remercie.